fait sa clinique ici aux États-Unis. Donc, le tournage va commencer bientôt. Nous sommes avec le docteur Bertie Detroit dans le Maryland. Début, est-ce que l'on peut nous décrire un tout petit peu son enfance, comment ça s'est passé? Voilà encore une autre journée, hein. Là on ressort, notre journée avec le boss, voilà, tranquillement, tranquille. Voilà, nous entamons encore une autre journée, quand on se lève, il faut toujours aller charbonner, même aux États-Unis. On profite pour visiter aussi les lieux. On remercie comme ça notre frère et ami, le Chacal. Le Chacal a mis à notre disposition. La famille avec sa femme et madame. Un bolide. Voilà. Pour notre balade, pourquoi on est là. On peut aller partout. Nous sommes dans la voiture du Chacal. Voilà. Qui a mis une de ses voitures à notre disposition. Bon, voilà, fin de tournage avec. Le docteur Laure Bertie Detroit, hein, spécialiste, très beau témoignage ici dans le Maryland. Merci. C'est vraiment conseillé. Voilà. C'était un plaisir de vous avoir tous. Merci. Voilà, nous sommes venus rendre visite à notre compatriote qui a le garage, Monsieur Jordan. Vous avez également suivi le reportage qui a été fait par Monsieur Ilesopi ici aux États-Unis. Voilà. Nous sommes dans. Lieu de travail. Voilà l'adresse pour ceux qui veulent venir. Hein. Voilà. Nous sommes chez M. Jordan. Lui, mon cher. Là, on va un peu. Ça rend de beau. Un peu la tête là, voilà. Parce que là, on va à Hollywood, hein, ça va pas blaguer là-bas. Hein. Il faut être. tendance, ma tendance. Faut bon. Être trop tendance. Voilà. À tout à l'heure. On y va. On va dans le salon de coiffure. Ça qui se trouve derrière moi là. Vous pouvez très bien voir. Voilà. Legion Hair Studio. Alors on voit ce qui se passe là-dedans. On est dans le salon avec mon coiffeur de Washington, M. Adolphe. Quand vous arrivez à Washington, si vous ne voyez pas Adolphe, maintenant, c'est le coiffeur des stars. Voilà. Donc, restez comme ça, connectez. On fait un petit truc là, à l'américaine, vous allez voir. Vous allez confirmer vous-même. Voilà. Le gars ne cesse de se faire beau avant le grand bond pour la Californie, hein. Ah ça, ne rigole pas là, hein? Ça ne rigole plus là. Hein? Ça ne rigole plus là. Avant le grand bond. En Californie, le gars se fait encore pimpant. Avec les mains faites du grand Adolphe. Ailleurs, on va manger. C'est... On va manger ailleurs. Voilà, on va manger un bourbon avant de continuer l'aventure. Le voilà. Tournage. J'ai faim. Ah, j'ai goûté un peu. Là. On va aller poster. Maintenant, tu sais le feu, c'est bon, c'est mieux confirmé. Voilà, merci. On ensemble. Bon appétit à vous. Le tchou, c'est la position, donc c'est le courage. Bon, voilà, on a un tchou là. Tchou, ça bosse. Bon appétit. Tchou, c'est la position, merci. Voilà. Le cake avec, voilà, on voit quelque chose de superbe, le pancake là. Le plat. Et appliquer
il y a un ami à mon père qui nous a dit qu'il y avait une branche de la médecine qui était très recherchée et où il n'y avait pas beaucoup d'experts. C'était la dentisterie. Donc, j'ai appliqué pour aller à l'université de Dakar, au Sénégal, pour faire la dentisterie ou la pharmacie. Ouais. On était où dans notre Issa, le boss lui-même alors. Vous voyez Vidal, le football. Regarde le monsieur a hacké, regarde comment il a hacké quand il marche. Donc, c'est-à-dire que c'est le football. Bon Friday, regardez, voilà. Il nous amène voilà, au Friday, on va un peu déguster avec le boss. J'ai une séance de travail, un déjeuner de travail. Déjeuner de travail. Parce que vous êtes la GPS, Sophie est là, vous êtes installé de manière sophistiquée en France, à Paris, en Europe. Vous avez votre manière de faire du business. Vous avez l'expertise du business à Paris. Et aujourd'hui, on... Dieu a voulu que vous soyez aux États-Unis. Vous venez régulièrement. Et aussi, il va de votre intérêt professionnel de voir et humain et compassionnel de pouvoir aussi, comme aujourd'hui, avoir un échange avec aussi certains communicateurs qui sont sur place comme moi pour pouvoir échanger, comprendre un peu comment ça se passe, la communication culturelle, la communication économique, la communication financière. Absolument. C'est important. Et là, c'est votre responsabilité de pouvoir transporter cette expertise aussi du côté de la France pour faire profiter nos frères africains. C'est-à-dire, il faut mutualiser les connaissances. Et c'est aussi ça notre responsabilité. C'est aussi ça ma part de responsabilité en tant qu'un frère, en tant qu'un ami. Et merci bien. Voilà, c'est merci. M. Vidal. Voilà, c'est comme ça. Déjeuner et travail. On nous montre. On arrive tout à l'heure. Restez connectés. Voilà, la plus grande particularité aux États-Unis, c'est que même en dînant, on est toujours en train de prendre des notes. On discute autour d'une table. Hein, c'est... On a le tuyau à la main, après on a aussi un couvert. Voilà, les deux vont ensemble. C'est la particularité, M. Vidal. Voilà, comme les frères le disent, ils sont là. Ils vont ramener du côté de Paris notre manière de travailler, notre manière de vivre, le dynamisme américain. Les Européens, ils ont besoin de ça. Et tenez-vous tranquille, les prochains services, ils vont le démontrer. Et ce n'est pas seulement nous, hein, nous avons les voisins de l'autre côté qui sont en train de faire la même chose. Donc, vous avez les voisins à ma droite, ils font la même chose. À ma gauche, ils sont en train de dîner et ils font la même chose. C'est le boulot. Et pourquoi nous le faisons? Parce que seul le travail paye. Le travail, c'est la réussite. Le travail, c'est Dieu sur terre. Dieu est au ciel, sur terre, il y a le travail. Nous croyons en lui et sa bénédiction nous permet d'aller plus loin. Bon appétit à tous mes frères, bon appétit aux amis, bon appétit à Sophie Production. Merci. Bon appétit voilà. À JPS. Ok, bon appétit à vous.